Ça me fait plus vos patoches, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, on va voir le numéro 39 de la Montaigne. Et c'est la chaudière, alors c'est la chaudière, la pyrole et le corps sont en fort inférieur. Je suis désolé hein, pour le petit décor qu'il y a derrière, mais le lieu fait que, voilà. Alors, on va attaquer tout de suite, ensemble. Donc, on va attaquer le fascicule, voilà. Alors, 39. Les chemins de fer suédois. Toujours pareil, hein, on va vite passer dessus. Bon, par contre, regardez, c'est vrai qu'il y a de sacrées photos. Voilà, des photos d'époque en plus, comme je dis toujours. Voilà. Ici, c'est quoi ça? Et pourtant, il faut freiner. Voilà, ça, donc, ouais. C'est vrai que vu pour les engins, il devrait y avoir sacré fin. Hein. Voilà. Et voici notre chaudière. Alors, j'ai déjà plus ou moins ouvert les pièces. Voilà. Donc on a ça ici. Alors qui est. On va les faire ensemble. C'est la virole de corps. Et ici, on a notre renfort intérieur de chaudière. Voilà, et notre sachet de vis. Et en l'occurrence, ce sont les vis LM. Voilà, allez, on va. Bah écoute, on va monter ça tout de suite, assez vite. Quand on regarde, hein, ici, on a les petits ergots. Parce que c'est cette partie-là. Voilà, ouais. Il va se mettre donc comme ça. On aurait ici, on a les larves et les fins qui sont à l'extérieur. Donc, c'est les larves qui vont à l'intérieur et qui viendraient se visser à peu près ici. Ici, 10 mètres, voilà. Je ne sais pas, vous voyez, ils viennent se visser à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà ouvrir les vis, au moins sans prendre une. Où est mon. Bon, je ne trouve pas mon cutter. Bizarre. Bon, ça n'est pas grave. Alors, on va ça. Voilà. Le petit tournevis est monté. Je mets ma vis là on a bourré les passés voyez là hop je prends ma pièce avec mes petits ergots comme ça donc elle viendrait et celle qui viendrait là. Je viens de trouver. Et puis, pourtant, je suis dessus. Ouais, pourtant, je suis dessus. Ah, voilà. Aïe. Voilà. Voilà une. La 2 qui est installée. Voilà, faire ça. Je vais un peu mieux quand on n'y a pas le.
en dessous. On voit un peu mieux les pièces. Voilà. Et le troisième. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout serrer. Une. Et voilà. Donc la prochaine fois, on va se revoir avec, comme ici, là, le numéro 40. Le numéro 40, c'est on continue sur la chaudière. Voilà. Donc ce sont ces deux pièces-là. Plus on va aller rechercher le capot de cendrier. Voilà. Et ça s'appelle... Alors là, c'est le corps de boîte à fumée, cendrier. Voilà, donc on récupère le couvercle de la boîte à fumée, le corps. Et puis voilà, on assemble tout ça. Voilà, et une pièce, j'avais les pièces, elles sont là. Et voici les pièces. Bon ben voilà, alors sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bon moment, hein, bien sûr, comme il en est, comme d'habitude. Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez, si vous le désirez, c'est vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez appuyer sur la petite cloche, comme ça vous êtes prévenu dès que je vous mets une vidéo. Le petit like si vous aimez, vous pouvez laisser un commentaire, j'y réponds, vous le savez. Et on se revoit très vite, donc avec le numéro 40. Ciao le pio, allez, à bientôt. Surtout, portez-vous bien.